Vous avez un terrain à bâtir et, avec l'aide de votre architecte, vous voulez créer la maison de vos rêves. Une habitation passive qui est une isolation tellement efficace que sa consommation en énergie est quasi nulle et qui est à l'épreuve du temps. Vous devez juste lui fournir un peu d'énergie pour l'eau chaude, la ventilation et les appareils ménagers. En hiver, vous voulez bien sûr chauffer votre maison et durant la saison d'été, vous désirez la refroidir. À quoi devez-vous faire attention Nous posons la question à notre expert. L'enveloppe du bâtiment, c'est comme ça que nous l'appelons. Pour une maison passive, laisse passer très peu de chaleur, un peu comme un thermo. Et il conserve aussi également toute la chaleur. Dans une maison passive de ce type, l'énergie est principalement consommée pour produire de l'eau chaude sanitaire. Il vaut mieux utiliser une énergie renouvelable dans ce cas, grâce à un préparateur d'eau chaude à pompe à chaleur, par exemple, appelé aussi boiler thermodynamique. Vous pouvez le raccorder à une installation photovoltaïque. Très intéressant, car l'énergie solaire est alors gratuite. Alors comment faire pour chauffer une maison passive Cela dépend de la structure du bâtiment. Si le bâtiment a une structure légère, comme une ossature en bois, qui a une très faible inertie thermique, vous pouvez opter pour un chauffage par air chaud, qui fournira le peu d'énergie dont vous avez besoin. Cela vous permet aussi de refroidir l'habitation, comme le ferait une unité de climatisation. Ou vous pouvez choisir une pompe à chaleur combinée, avec un système de ventilation mécanique de type D. Si vous avez une structure plus lourde, par exemple massive, il existe encore une autre possibilité, le chauffage par le sol, que vous combinez alors à une pompe à chaleur de type RO. Les meilleures pompes à chaleur sont dites Smart Grid Ready. Cela veut dire qu'elles font correspondre votre consommation à votre production d'électricité. Vous profitez donc au maximum d'une énergie gratuite. Et si vous voulez tirer le plus grand profit de votre production d'énergie photovoltaïque, vous pouvez alors choisir une batterie de stockage domestique. Vous consommez moins d'électricité du réseau et vous réduisez votre facture énergétique de la même façon.